Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Let's Play de The Outer Worlds. Et on reprend tout de suite. Hop, c'est bon, l'image est correcte. Tout va bien. Et c'est parti. Le temps est très nuageux. Très nuageux, orageux même, je dirais. Donc, j'ai un peu peur qu'il y ait tout qui coupe, mais bon, il faut du contenu. D'ailleurs, je viens de voir un éclair passer là. Bref, je vais essayer de pas me laisser trop distraire par le temps qu'il fait dehors. Et puis on est parti, du coup peut-être que je vais faire une session un petit peu plus courte que d'habitude, je sais pas, je vais voir. En fait, j'ai surtout peur qu'il y ait une coupure de courant et que tout ce que j'enregistre là soit perdu. C'est pour ça. Alors donc, nous sommes partis pour... Pourquoi? On est parti pour quoi? Acheter une clé de navigation sur Stellar Bay. Parler de rechercher des marchands du marché noir, précurseur, Fallbrook, truc. Retourner voir Gladys. Ok. Trouver le capitaine Irion sur Scylla. Ok, pourquoi pas. Unité de nettoyage. Puis le terminal d'Hawthorne. Ada, sous-entendu que l'ancien capitaine du vaisseau, Alex Hawthorne, pourrait avoir regardé des informations concernant cette tentative de modification ou de réparation de Sam sur le terminal dans les quartiers du capitaine. Tiens donc, on va checker ça. Clac, clac, clac. Critères de recherche. Sam. Accéder au premier résultat. Compte rendu d'expérience OI-695. Pour rappel, on a récupéré un automécanique d'assainissement et de maintenance dans le dépotoir de la vallée d'Émeraude au cours de notre dernière mission. On ne devrait pas avoir de mal à le remettre en état. En procédant à quelques modifications, on pourrait même le rendre apte au combat. Une sorte de machine à tuer à la précision chirurgicale. Réjouissante perspective. Compte rendu d'expérience OI-696. L'ablation de la pièce de série standard macérateur MOUSSE est un succès. La livraison de la pièce de rechange modifiée pour le combat macérateur acide a été retardée. Délai supplémentaire estimé à 3 bons mois. Non pas que j'ai des affaires plus urgentes à traiter, mais si en fait. Compte rendu d'expérience, OI, en minuscule cette fois, 697. J'ai fini par faire une croix sur cette livraison. La pièce s'est perdue au cours de route et elle ne risque pas de réapparaître de sitôt. Mais, bonne nouvelle. J'ai entendu parler d'un type qui connaît une fille, qui connaît cet informateur, qui m'a fait payer, à prix d'or, des informations quant à la position d'un macérateur acide que je pourrais éventuellement chaparder. La pièce est envoyée dans un vieil entrepôt à Roseway. Je pensais pas retourner dans ce trou un jour, heureusement que Tati a vidé les lieux depuis longtemps. J'irai le chercher en revenant au prochain point de ravitaillement de la vallée d'Emeraude. Wells m'a demandé d'y chaperonner quelqu'un d'important. Détail à suivre. Ah, mais Roseway, c'est de là que j'y enfin, j'y étais tout à l'heure. Ah, mais je l'ai récupéré du coup. Attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Pip, pip, pip. Ah ah! Eh, l'avantage d'avoir fouillé, hein, vous avez vu, on a gagné un temps fou. On installe le macérateur acide. Oula, 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 oula. Oui? Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Bien sûr, oui. Registering new owner, Captain. Alors, tu viens d'où? All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Alors Sam, tu veux m'aider à faire le ménage dans cette colonie? Ah, je sens qu'on va bien s'entendre. Eh bien, bienvenue, Sam. Mais est-ce que par nettoyage, tu entends également abattage? C'est une idée parmi tant d'autres. On va passer là-dessus et on va... Oh, tellement de malus. Eh, le manque de médoc. Ah, c'est horrible. Le manque de médoc, il est horrible. Ça me fait tout perdre, quoi. Je me bats surtout à l'arme longue.
Ouais, l'arme de poing, du coup, finalement, très peu, je me rends compte de ça. L'arme à une main, un peu, mais ça, ouais, on va oublier, hein. On va oublier. Mensonge, persuasion, intimidation, jusque-là, je me débrouille plutôt bien. Crochetage, piratage, j'ai pas vraiment de soucis, puis j'ai pas mal de trucs, pas mal de crochets, etc. en inventaire. Donc je pense que je vais surtout mettre en arme longue. C'est quand même le moins 3 des médocs, hein. Attendez, juste pour checker. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais ça. Je fais ça. Voilà, comme ça je vois exactement où j'en suis. Donc, ça de toute façon je mets, c'est sûr. Après j'ai juste 2 points distribués, ça va pas changer la face du monde, loin de là. Et ici c'est en surbrillance. Ah non, c'est moi qui rêve. Ah c'est parce que j'étais dessus en fait. Je suis à 57, pourquoi? Équipement anti-émeute. J'ai haute de caisse. Monologue. 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 Ouais, arme longue. On va faire ça. Ça pour le moment. C'est bien que la webcam elle soit éteinte parce que. Vous voyez flasher des fois comme moi par l'orage. Bon, j'avais dit que j'essaierais de pas trop me faire distraire par là. Par les éclairs. Alors ça c'est pas intéressant. Dégâts des armes scientifiques, ouais. Test de déplacement. Prix d'achat des marchands, ça peut être cool. Même si j'ai plein d'argent. Ça non. Non, je m'en fiche des compagnons. Je joue pas vraiment avec les compagnons moi. Hein. Ça peut aider. Ça, ah bah ça en fait, très clairement. Clairement, on va partir là-dessus. Ellie. Y'a rien. Regarde. Ah non, c'est ça qu'il faut que je regarde. Pas de points disponibles. Parvati. Le vicaire. Non, ils ont rien. C'est bien qu'on ait accès à l'inventaire de tout le monde. Ok. Bon, bah écoutez. Nickel, nickel. Du coup, on a un petit Sam. Mais attendez. Je dis nickel, mais attendez. Sam. Sam? Y'a pas Sam? Ah oui, j'ai dit que je voulais faire aussi un point sur l'équipement. Attendez. Je vais prendre quelques minutes pour faire le point sur l'équipement. Faut pas déconner. Ah, quoique, non, je vais faire ça au moment où je vais pouvoir vendre mon équipement. Ça me semble encore être encore plus judicieux. Bon, alors ceci étant fait. L'homme creux. Le vicaire Max a découvert que les Rudy louaient un logement à Fallbrook. Elle veut parler à Junley. Ah oui, du coup, faut qu'elle vienne avec moi sur le précurseur, là. Récupérateur stellaire. Lydia Hagen a présent de ce blague démantèlement. Ah oui, faut que je lui parle. On va faire ça. Hop. Part. Ouais, on est bien sur le cadamarrage du précurseur. J'ai pas vérifié avant. Du coup, on prend Parvati. Ah. Dégage-toi, dégage. Toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de qui? Ça non, ça non. Ah, juste Parvati, hein. Bah, je vais prendre Sam, comme ça, si on peut discuter un peu, ça peut être sympa. Et aussi, j'aimerais bien avoir accès à son inventaire, s'il en a un. J'ai pas vu tout à l'heure et ça me dit que potentiellement, comme je viens juste de l'intégrer à l'équipe, peut-être que ça n'a pas été mis à jour, c'est peut-être pour ça. Bref. Que j'ai raison. J'ai raison. Là il y est. Oh 560. 672. Eh hey, garçon, garçon, hein. Pas d'armure. Il y en aura une à un moment au moins. Santé de base, menace générée, intimidation. Ok, c'est que bagarreur, sournoiserie, intimidation. Ah, vas-y, un peu plus de santé, j'ai plus besoin que tu sois vivant plutôt que tu intimides qui que ce soit. Dégâts à distance, efficacité d'armure. Réputation négative par cible tuée. Comment ça? Réduit la réputation négative du possible tuée lorsque Sam est dans le groupe. Est-ce que c'est utile? L'effet. J'aime bien l'effet, je trouve ça intéressant, mais la ma question c'est est-ce que c'est utile? Il vaut mieux pas mieux être un peu entre guillemets pragmatique et faire augmenter les dégâts à distance.
En vrai, j'ai déjà pas mal de personnes avec qui. Pas mal de factions où j'ai très très bonne réputation. Ouais, non, je pense qu'on va partir là-dessus. Simple, hein. Simple, simple, simple. Donc, allons au bar. Donc, on parle à Gladys, Lilia Hagen et le bar. Hop, hop. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Attends-toi. If it isn't the savior of Groundbreaker, what can I do for you? Non, okay. Comme il m'avait dit d'aller parler au docteur par rapport à la livraison, je crois pas que je vais avoir reparlé après coup. Je voulais voir s'il y avait pas quelque chose d'autre qui pouvait être. Une autre ligne de dialogue. C'est quand même joli, hein. C'est quand même joli. Et allons au bar. So, how does this work? Do we get a table? Stand in a corner? Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Qu'est-ce que tu penses de Félix? He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Oh non, ça me fait pas peur, s'il faut je le remets à sa place, mais c'est pas un problème. Pourquoi j'ai jamais accès à la perspicacité? Si quelqu'un peut me dire pourquoi j'y ai jamais accès, ça m'arrangerait. Bon, il n'a pas l'air très futé. Not many folk have big pulsating space brains like you. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. Une paire de gros bras, ça peut toujours servir. I'm sure he could hit stuff for us just fine. But I was thinking on what we could do for him. Ouais, je sais. Tiens, il n'était pas là pour parler de ça. Where are we headed? Bah, on est au bar, du coup. Non, mais elle est pas censée.